Je vais du coup me permettre de TP Edo pour qu'il évite de passer sa soirée à faire 6 heures de marche. Enfin, 6 heures. 6000 km de marche. Non, 6000 km. 6000 mètres de marche. Oui, voilà. Ça fait beaucoup. Je me permets. Sûr que je fasse autre chose de ma soirée. Je me permets ce petit cheat TP Edo Rocky sur Aurélien Sama. Le voilà, c'est bon. Personne n'a rien vu. Ah. Ouais. Là, je m'isole pour aller voir mon chat. Bonjour, tu as chat. Enfanté c'est un bon. Roux, monsieur Sama. Oui, exactement. Oh oui. C'est mon roux. Délivre ton roux. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Regarde, on a l'océan. Oh, le coucher du soleil là. La mer. C'est beau. La mer. C'est pas la mer qui prend l'homme. C'est l'homme qui prend ta. Ouh là là. Je vais peut-être finir ma phrase. Ouh là là. Bonsoir. Hello Mayo. Oh, on est nombreux Hello ce Mayo. Soir. On va pouvoir progresser. Oui. Bon, à derrière. Bonjour à tous d'ailleurs. On se retrouve pour un nouvel épisode des Survivalistes. N'est-ce Salut. Pas Salut. Bonjour. Bonjour. Dernière fois pour ceux qui n'étaient pas là, notamment sur le serveur. Attends, Auré. Oui. Je vais faire l'intro. Vas-y. Je fais juste un truc. Ça a intérêt d'être mémorable. Hein. Oui. Ah ouais, il a un petit happening quand même. Oh là 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 là. Oh, j'ai hâte. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des Survivalistes. Excellent. C'est Auré qui parle alors que c'est pas Auré qui parle. What the fuck? Dis, j'adore les frites au four. Y'a Tutu, y'a Zozag, y'a Emel, y'a. C'est tellement lui. Y'a Ted Jid, y'a. La même aisance. What the fuck? Y'a Mayou et. J'étais en train de boire Edo. Avec le micro qui coupe et tout pareil. C'est bien, mais c'est bugué du cul. Hein. C'est hyper perturbant. Bon, pendant que Tajin figure out son truc, la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là, on avait déménagé dans le sud. Bon, c'est pas le sud de la France, hein, mais le temps est un petit peu meilleur. Parce qu'avant, le climat, c'était digne des pays nordiques, quoi. Donc là, on a un petit peu plus climat tempéré, dirons-nous. On a vachement chaud, il y a de la neige partout. C'est mais l'hiver arrive quand même. Ça, l'hiver arrive forcément. Hein. Ouais, mais c'est de la neige chaude, c'est de la neige du sud, voilà. Elle est pas à moins quelque chose. Non, mais c'est ça que je dis qu'on est dans un climat tempéré, on n'est toujours pas dans le sud. Mais du coup, moi ce que je propose, c'est attendre que l'océan se gèle pour la traverser. Alors il se gèle pas en entier l'océan. Il y a des orques. Non. Ça se mange l'orque? Oh, il y a un orque, on pourrait le pêcher techniquement. Il y a une orque, on dit une. On va l'attaquer à la hache. Il a des grosses dents. Je vais certainement mourir, mais j'y vais. Il fait jour. Il va voir si c'est un garçon ou une fille. Oui. Ça commence à se lever, ouais. Oh, j'ai eu l'orque. The fuck. J'ai tué l'orque. Oh, il y a un poulpe géant. The fuck. Il est où? Qui raconte? Oh, Dame, il m'a aspergé d'encre. Je ne vois rien. Je suis taché. Ça veut dire qu'il est heureux. Oh, il était très heureux là. Il est content de te voir, Aurélien. Il a disparu. Donc on a déménagé dans le sud, nous avons un début de maison, c'est juste la forge basiquement. Ce sera la maison commune, mais on pourrait faire tout un petit village ici. Donc voilà, si vous voulez construire une petite maison personnelle, n'hésitez pas. Pas trop près du lac, parce qu'on va devoir mettre des cultures là par contre, donc faites attention. Alors, nous la dernière fois on était chercher du graphite. On a aussi l'endroit où il y a la kaolinite, merci à Tutu. Ouais. Ouais, c'est quoi du blubber? J'ai du blubber dans mon inventaire, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est quand j'ai tué l'orque. C'est pour faire des bougies. Voilà. Waouh! Oui, c'est incroyable. C'est de la graisse. C'est de la graisse, oui. Littéralement. Ah, trop bien. Je vais te mettre dans mon pantalon. Du coup, Mel, on va aller chercher la kaolinite, comme ça on peut avancer, non? Bah, le problème, c'est que mon cheval, il est qu'à 12 de familiarité. Ah, donne-lui une petite graine dans le. Et puis c'est. Ah ouais, mais ça fait déjà deux fois que je lui donne la petite graine. Ah, et ça marche pas? Bah, faut attendre encore. Ah, on va prendre d'autres chevaux en attendant. Y a que le tien. Les autres, ça marche pas non plus. Ah oui, il faut les nourrir de temps en temps, sinon ça va pas quoi. Ouais. Ah oui, ils sont descendus. Faut entretenir vos. Pourquoi il m'aime pas mon propre. Ah non, c'est pas mon cheval ça. Où est-ce qu'il est mon cheval? Pas le tien, là-bas. Ok. Il y a des chevaux qui sont à personne ou ils appartiennent tous? Ici, si je suis dessus, c'est le mien. Il n'y a pas écrit Monsieur Sama dessus, hein? Si! Ah ouais, il est où? Je l'ai écrit sur sa fesse droite! J'ai pas vu, moi. Bon, bah, moi, je vais commencer à chercher la kaolinite. Cassiterite, oui, mais il faut qu'elle cherche dans certaines roches. Si elle cherche partout, elle ne le trouvera pas. D'accord. Pour le chercher dans les roches gabbro.
Attends, je te dis. Et je suis pas ton bro, mon gars. Mais je suis pas ton gars, mon mec. Ouais, je suis pas ton mec, mon ami. Mais vous coupez pas la parole mutuellement, c'est incroyable ça, on comprend rien. Oui. Oh Amel. C'est moi. Viens au Kaolinite. Mais j'attends que mon cheval soit bien. Et c'est à 200 mètres, fais le chemin. 400 mètres. Oh, faisons un chemin pour le ML. Je sais pas quoi faire, les copains, là. Oui, moi aussi, je suis en train de me balader. Avec ma vie, on est en train de tourner en rond, là. Bah, vous pouvez vous faire une petite barque. Ouais, je sais pas comment on build, vu que tout tombe. Ah, non, mais c'est les blocs, si tu regardes les blocs de briques, tout ce qui est briques, la sandstone, les planches de bois... Briques et chisel. Ça tombe pas. Ça tombe pas. Ok. Ah, vas-y, ML. J'ai commencé à creuser hein, pour aller chercher à Kaolinite et tu vas voir. Damn! T'as vu? Oui, tu peux, vas-y. Viens, on se fait une maison et d'eau. Oui. ça n'arrive jamais, hein, ça, on est d'accord. Ah non, ça, c'est vraiment... Ça n'arrive jamais. Ben, j'ai creusé vers le bas et je suis tombé littéralement sur la Kaolinite, nez à nez. Viens, Edo, on fait la maison là, en haut? Oui, je suis chaud. C'est pas mal, en vrai. Donc, c'est pas à côté du lac, c'est bon. C'est à côté du lac, c'est parfait. Bah si c'est en hauteur, ça va, vraiment en hauteur. Parce qu'il faut mettre les cultures à côté. Bon, on en a assez, ML. Hein. Allons fabriquer notre fire clay. Il y a un gisement de limonite ici. Il y a de la limonite au sol. Ça sert à quelque chose, la limonite? Limonite, hématite, ce genre de choses, c'est du fer, en gros. Moi, ça, c'est plus de maladies, mais bon. Oui, on dirait des noms de maladies. Hémorroïdes et tout. Si vous trouvez des hémorroïdes, ben voilà. C'est bon. Moi, c'est de la redstone, les hémorroïdes. Pardon. T'es où, Emel? Oh là là. Mais je suis à pied, j'arrive. Ah oh là là. Oui, c'est vrai. Désolé. Je suis là. Il y a un cheval qui est repassé à plus de 16, à plus de 15, si tu veux. Ouais. Bah, je vais le prendre pour aller chercher du cassitérite. Bah, on va y aller tous les deux, hein. Parce qu'il nous faut absolument cette cassitérite. Ouais. On fait une grande maison, Edo? Non. Non. Edo est traumatisé. Non. On fait un trou de hobbit. Non, on fait pas ça. Non, on fait une barrage. On fait la maison principale pour tout le monde. Non, la maison principale, on pourra la... Que la nôtre, ok. On pourra la faire à côté, enfin, je vais la faire à côté de la forge, la en fait. Nôtre, on va faire une salle que des coffres et tout. Ouais. J'ai même pas regardé, j'ai fait un 360 noscope. C'était magnifique, je l'ai vu, t'inquiète. Pas du tout. En fait, c'était tellement incroyable qu'il est resté bouche bée. Et il a pas trouvé les mots pour décrire à quel point c'était waouh, dingue, d'où. presque mal. Ouais. On fait un peu dépasser, non? J'ai hâte de voir la maison qu'ils sont en train de faire. De sticks. Oh, c'est cool. J'amène des sticks. Oh, il peut faire dépasser un peu. On n'a jamais trop de sticks. Je le rends suspendu. Avec terrasse. Une petite terrasse, vas-y. Salut. C'est là-bas qu'il est, Mel. J'irai jusque là. Quelque part là. Il y a un trou. Il est en train de creuser. Attends, on va laisser de la place derrière. Coucou. Ça fait combien là? Ah, hello. Tant que tu fais une ligne droite, ça s'écroulera pas sur ta tête tant que ça, enfin, ça a accès au ciel. C'est comme ça que j'ai fait pour la Kaolinite. Il me dit d'aller tout droit, apparemment. Bon bah adieu. Ah. Non, Mona, ne meurs pas. Qu'est-ce qui se passe, Mona? J'ai mangé un truc rotten et j'ai poison. Ah. Ah non. Ah bah non, c'est un indicateur, le poison. Ah bah non. Ah bah non. Par magie. En fait, non. Very large sample of cassiterite par là. Hein. Monsieur Sama! Oui? T'en as trouvé? Je l'ai trouvé! Oh, dame! J'étais juste à côté en fait, dame. Ok. Nice. On va pouvoir passer à l'âge de bronze. J'ai croisé un canard! Il est si beau! Ah, mais c'est ça! Tue-le! C'est bon le canard! C'est parce que j'ai pas de. Ouais, je vais. Parce que j'ai soif. Tu fais quoi dans l'eau, Zanzeg? Je suis en train de me promener pour voir si je peux pas trouver du bois foncé. Spruce? Plus loin. Ah. Ouais, mais il y en a pas à côté de chez nous. Ah, il y a trois canards, pardon, je suis désolée, je vous coupe tous, mais c'est une info hyper importante, il y a des canards partout. Tu peux les plumer? Oui, j'ai pris plein de plumes, mais ils râlent quand j'en prends des plumes, c'est trop bien. J'aime bien comment on évite totalement le topaz. C'est clair. En même temps, il sert vraiment à rien, donc... Oui. Mais pourtant, c'est topaz. Non, c'est top naze, oui. Ah. Je mets quand même un sol. Je préférais quand tu parlais de canard, hein.
Les canards font du jardin de cailloux. Pardon, je suis désolée. S'excuse, mais elle est pas vraiment désolée. Non. Ah. C'est de l'ironie. Je suis ça par principe, pour pas qu'on me frappe. J'aime bien, moi je creuse de manière ordonnée, et à côté de ça, t'as ML, c'est le chaos total. Putain, monsieur, moi je creuse là où il y a les minerais. Hein. J'ai remarqué. Pendant ce temps-là, moi je mets des supports pour éviter que ça nous tombe sur la gueule. Quoi. Ah oui, il faut la scie. J'ai pas de support. Ah, je vais aller chercher des bois, parce que là si on continue... Ça va nous tomber sur la gueule. Oh, c'est bon, attends, j'en ai su trop. Ah. Ça va, ML ? C'est rien. Pourquoi il y a des blocs de cobble un peu partout ? Aurais-tu un accident ? Non. Attends. On va renforcer ça quand même. Regarde ici. Ah. Oh. Ouais, ben voilà. En même temps, je l'ai cherché. Juste quand j'ai voulu mettre un pilier pour renforcer, il a continué de creuser et ça lui tombait sur la gueule, quoi. Ça l'a pas renforcé là. Non. Pas du tout. J'avais la tête dure, mais non. Les pratiques de minage plus que douteuses de ML lui auront coûté sa vie. Grave, j'ai des vies illimitées. C'est comme quand tu te bats contre un boss dans un jeu. Tu perds plein de fois, mais tu sais, tu forces. À un moment, ça passe. Tu connais ses patterns par cœur et c'est bon. Ça passe. Ah bah, comme je dis, quand ça passe pas, bah, il suffit de forcer. Ça dépend quoi, hein. Allons nous couler un bronze, ML. Oh oui, et dur. Ah ouais. D'avoir un sale et chaud. Cheval. Ah oui. Il va être chaud, notre bronze. On va le couler. C'est écœurant. Et ensuite, on va le refroidir dans de l'eau. Ça fera splouche. Super. Ça va pas mieux, les deux, là. Hein, on se complète bien. ML, avec le premier truc de bronze, je peux avoir une pelle en bronze? J'aimerais bien une pelle en bronze. Oui. Je vais essayer après. Faut que je creuse la salle des coffres. Très bien. Parce que là, t'as remarqué, on n'a pas beaucoup de stockage, un peu chiant. Oui. Emel, il a fait une grosse marmite, il va nous faire une bonne préparation, là. Attends, j'ai pas regardé, c'est quoi le mélange? Oh. Oui, le ratio. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on mange? Toi, on mange du bronze. Prends dedans. Ah, c'est 92% de copper et 8% de tin. C'est le pot où il va couler un bronze. Je vais le goûter avec ma moustache. Ok. Il y a du thym, du coup, 25 millibuckets. Wouch, wouch. Le copper, on va attendre que ça mette. Ouais. Ouais. Combien on les fait? Est-ce qu'on fait un pilier entre les deux là? Oui. Bah, du coup, ils sont en train de faire un manoir là à côté. Hein. Vous allez le regretter hein, quand vous allez faire le toit. Non. Danger. Ah, du bronze. C'est ça? C'est bon? On a du bronze. Je te coule une pelle. Ouh. Hop, tu et peux le prendre. Laisse comme ça, Edo, c'est bien. Nice, merci. Viens là. Où est le baral d'eau? Ah, il est là. Très bien. Hi, hi. Il y a une petite sauvage. On a notre premier lingot. Du coup, j'ai mis un pour deux. Travaux finis. Une pelle en bronze. Nice. Il me faut juste un stick. Ici, il y a du stick. Voilà, pelle en bronze. Merci, Amel. T'en prie. Jolie pelle en bronze. Premier lingot de bronze. Le pose par terre. Hein. Nice. Ah bah bravo. C'est... Le bronze, il a aucune importance pour toi. En plus, il a une forme un petit peu allongée. Il a coulé son bronze et il l'a mis à terre. Voilà. Il est par terre. C'est ça. C'est abusé sur des billets de blocs. Ah, c'est les mêmes arbres que tu trouves. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Il commence à être tard. Je vais pas tarder non plus. Faible. Tu vas faire quoi, Edo, ici un tout petit toit? Une petite toiture? Genre comme une petite avancée? On peut faire une petite toiture juste d'un pan qui rejoint. Ok. Ça peut être cool. Ouais. Parce que t'en penses, mais ça peut être cool. Mais je sais pas ce que t'en penses, cool. Mais ça peut être cool. Mais ça peut être cool, hein. Franchement, moi je trouve aussi que ça peut être cool, mais je sais pas ce qu'elle en pense. Moi je sais pas ce qu'elle en pense. Mais je pense. Que ça peut vous être me direz ce que vous pensez de ça, mais je pense que ça peut être cool. Je pense aussi. Et du coup, qu'est-ce que tu penses des pansements? Bah, c'est assez utile, notamment dans mon métier. C'est vrai? Oui. Bah, ils se coupent souvent. Hein. Dans le mien aussi. Non. Les doigts, le bras, la bite, ça arrive. Quoi. Pardon? Quoi? Hein? Y a un mot qui comment on fait des trous dans les donuts, tu crois?
Oh là là. Vous rigolez, mais... C'est vous faites les choquer, mais il y a littéralement un truc de... fait par Disney de Mickey Mouse des années 30-40, je sais pas, où tu le vois faire un trou dans les donuts, justement, avec... voilà. Mais à travers Qu'est-ce son pantalon. Qu'est-ce que tu regardes, Aurélie? Ben, je regarde Disney. Je regarde Disney. Cassez mon enfance. Ouais, c'est Disney qui t'a cassé ton enfance. Je vous enverrai le lien. Non, c'est bon. Tu veux, j'ai une vidéo avec un pamplemousse. Ça t'intéresse? Non. Ah non, pas le pamplemousse. Hein. Je m'en aille. Bonne soirée. Bisous, au revoir. À bientôt. À bientôt. Ouais. Je m'arrête là aussi. Bande de faibles. Je fais une cave pour faire une salle des coffres. Vas-y, moi je vais cuire du bois parce que bah, j'ai besoin de charbon. Et puis il va dire, on va me justifier. Je fais une cave. Je fais une cave. Tu veux venir dans ma cave? Moi j'attends qu'elle soit finie, enfin. Viens. Les enfants. Venez dans la cave. Ah, avec le bruit de langue. Shakira, est-ce tout? Pendant. Voilà, je laisse les gens qui sont en vacances continuer. Moi, j'y vais. A plus, Edo. A plus. Oh, vous avez commencé l'armature du toit. Attends, je regarde du coup. C'est de la grosse baraque, hein. C'est où? Là. Ah oui. Pas mal. Pourquoi le sol il fume ici? Parce que je suis en train de faire du charcoal. Fait chaud, hein, j'aime bien. Est-ce que la température est plus haute? -9,2? Non. Non. C'est logique. Qu'est-ce que je peux mettre sur la toiture, les gars? C'est une excellente question. J'ai une idée. Que quoi? Une statue d'aigle. Non, comme matériau, t'as dit. Ouais. De la chair d'aigle. Le foin. Précise. Comme ça, les meubles, ils passent à travers, c'est trop bien. On peut peut-être utiliser de la sandstone, parce qu'il y a plusieurs couleurs de sandstone. Oui. Et c'est pas soumis à la gravité. Ou le straw, hein. De toute façon, il n'y a pas vraiment beaucoup de mobs. Non, j'ai l'impression que les mobs à la surface, ils spawnent pas à cause de toute la végétation. Hein. Ou je pense que c'est peut-être fait exprès, en vrai. Peut-être. Je regarde. C'est déjà suffisamment hardcore comme ça. Oh, hardcore. Un petit peu quand même. Ah. Je sais ce que fait Zanzac. Mais comment ça, vous savez? C'est quand même pas compliqué, mais ça va. C'est prévisible. Hein. ML. Comment ça, c'est prévisible? Ouais, qu'est-ce que ferait. ML, t'as pas vu. Qu'est-ce que ferait Zanzac? Un bateau? Oui. Tu vois? Mais non, c'est une surprise. C'est pas une surprise si c'est toi qui le fais. Ah, sur la minimap, ça se voit. En plus. Quoi? Ah oui. Comment ça? Ouais, bon, c'est quand même pas très caché aussi. Ah oui, putain, ça on va. Est ouais. Même pas, on est même pas à l'âge du bronze et je suis trahi par une image satellite, quoi. Exactement. Pouette. Manque de lumière par là. Pouette. Non, il a neigé dans la maison. Tu n'as pas besoin, ML, tu viens d'arriver. Oh, c'est trop gentil. Qu'est-ce qui est trop gentil? Moi. Je suis la lumière de la maison. Oh, c'est beau. Pour une fois que t'es une lumière. Bah oui, c'est pour ça que je trouve ça gentil. C'est vrai. Bon, attends, je retourne dans l'ombre. Allez, ciao. Oh, 42 lingots de bronze. Oh. Nice. On est 46 maintenant. C'est tout ce qu'il me faut pour avoir l'anvil et le bloomery. Ça, c'est nice. On peut faire du fer au prochain épisode, du coup. Peut-être. C'est calme. Oui, je construis. Moi aussi. Moi, je fais du bronze. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de coffres? Oh, on n'a jamais trop de coffres. On a besoin quand même de pas mal de coffres, parce qu'il y a beaucoup. Par exemple, juste pour les minerais, t'en as plein de différents. Oui. Emel, il fait du barbecue. Hein. Ça, Ah bah là, moi, ça y est, hein, j'ai l'anvil en bronze. Hein. Oh! Ah ouais. Le mec. Je suis pas là pour plaisanter, hein. Efficace. Et pas cher. Mais si, je suis cher. Non. Tu es pas cher. Ah, d'accord. Dis-le que je vois rien. Vas-y, hein. Non. Tu es une valeur sûre. Ça, oui.
Bon, il me faut de la dolomite. La dolomite break, je me demande bien qui utilise toute la dolomite, hein, franchement. C'est pas moi. C'est moi. Hop, plumerie. Oh! Terminé. Ironworks. Very nice. Yeah, yeah, anneau, anneau. Ça veut dire l'âge du fer bientôt. Ouais. Ça, c'est cool. On avance bien. Bon, bah, j'ai pas mal avancé sur notre salle de coffre. Nice. Voilà, j'ai fini première version de la salle de coffre. On a un peu des racks, on a un endroit pour mettre des vaisselles. C'est bien. C'est-à-dire qu'on pourrait enlever les coffres ici, ou en mettre moins et mettre des endroits pour des lingots. Ouais. Est-ce que tu aurais des sticks à me passer, que je fasse les outils? Oui, tiens. Merci. Bon bah j'ai utilisé tous tes sticks, monsieur. Vas-y, je vais commencer à enlever des outils, hein. Oui. Simple et efficace. Pas mal de coffres, comme tu peux voir. Ça devrait aller au stockage pour le moment. Tiens, tiens. Ouh, une épée! Ah non, tu es maillot. Oh bah d'accord. Maillot! T'es où, maillot? Je sais que t'es là. Je te regardais en F5. Non. Là, si tu veux des outils, il faut aller dans la salle des coffres, j'en ai mis au fond. Il y a pioche et hache en bronze. Oui. Faut que j'en refasse du coup du bronze, parce que oh, j'en ai plus là-dedans. Oh, c'est mignon ici. Merci. Bah voilà, on a bien progressé. Pour le coup, ouais, là, on a fait un grand pas en avant, parce que bientôt, on aura le fer. Et le fer, ça débloque quasi tout sur Create. Oui. Ça, ça va être un plaisir. Ah, oh, j'ai hâte qu'on automatise avec Create la production de fer. Ouh, hey, t'as bien avancé sur la baraque. Ouais. J'ai crafté un truc qui se stack pas, du coup j'ai l'inventaire plein et ce truc là en question je peux pas le mettre dans les coffres. C'est quoi? C'est ça. Ah, c'est le Suisse. Ce truc là. Ah oui. Ouais, non, ça c'est. Du coup j'ai l'inventaire plein et je peux rien en faire. Merde. Ah oui, t'as fait des escaliers ici avec. Bah, tu peux compléter l'escalier que t'as commencé ici, non? Non, ça marche pas. Bah si, moi je monte dessus comme si c'était un escalier. Ah oui, mais non, en fait, tu peux juste en mettre que deux, tu peux pas les enchaîner. Ah, ouais, mais tu peux compléter ici déjà, ça en utilise déjà deux ici, quoi. Pff, t'es sérieux? La structure, what the fuck. Quoi? C'est de l'art. On devrait faire une place et on met ça au milieu de la place. Et on dit que c'est une sculpture. Ouais, on peut faire un sapin, regarde. Magnifique sapin. T'as vu ça, Emel? Oui. Ça, c'est du sapin. Il faut une étoile en haut. Attends. Voilà. Oh! Eh! Magnifique. Bon, bien, moi, je vais en rester là. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode des Survivalistes. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit un pouce bleu, n'hésitez pas à aller voir le live de Emel. Le lien dans la description. C'est moi. Ciao. Bye bye. Oh, l'oignon! Un oignon! Emel-toi de tes oignons! Eh hey. Et tu manges mon oignon? Faudrait le tweeter sur X. Aurélien Sama mange mon oignon. Sur X. Oh mon dieu. Je vais aller me réfugier dans ma salle de coffre. ML aussi, ça me va. Hein. Oh ciao, bye, au revoir. Bye bye. Bisous.